Voilà. Voici la pèdrie. La pèdrie du pigeon. Ouh, ça c'est le gros butin. Mais ça c'est une pèdrie sauvage. La pèdrie du pigeon. Et je viens de tirer tout à l'heure là. Avec le petit pigeon. Il est beau. Ouais. Une vieille pèdrie va picorer. Ça c'est une femelle. C'est terrible. J'aime ça. Papa. Papa, je vois un oiseau là-bas. Là, il est fait si je fais la pédule là qu'on a cherché l'autre. Oui, je crois. On voit ce qu'il a fait. C'est un du. C'est bel état. Voilà, l'autre est passé là. Tu vois comment il bouge. Arrête. Tu vois, non? Après, elle ne pique pas? Non, elle est terminée. Ça, c'est une petite. Papa, je la vois. J'ai eu, il est tombé. Allez, ramasser les deux. Prends les deux. Papa, pourquoi tu ris? Parce que je suis content, la carte est bonne. Le chien, c'est le bon, là. Et c'est quand même qu'on ne va pas tuer. Qu'on ne va pas tuer les animaux. Il m'arrête. Ouais, ma fille. Arrête le bruit. On n'en sait pas le jeu ici. On la joue. Ramassez. Tu as vu? Quelle arbre? Non. Le pigeon n'a pas s'échapper, il est tombé. Il a vu un peu. Regardez-moi quand tu parles. Oui, viens bébé. Viens. On se porte. Où ça m'a déjà le chasseur? On l'a frappé en bras. Je l'ai tombé là. Il était sur quel arbre? Les deux là, tu les as retrouvés. Alors, vous, vous êtes de faux chasseurs. On a vu le pigeon tomber, tu dis qu'il a rebondi. Il va rebondir avec les forces. Les gars, il est venu même de faire ce que là. Il a cloqué, je comprends.
C'était fort, ça l'a pris. Non, mais on peut même pas. La biche est où? La plongée est dans le grain. J'ai deux chasses. Oh, deux oiseaux tombent devant vous, vous ne voyez pas. Elle a les plumes de l'autre. L'autre là fait le bruit de poing. Beaucoup plus ferme. Voici ses poils ici. Oui. C'est ça? Oui. La poêle, la poêle. Papa, il est passé sur terre, mais moi, je dis. Et ma tante, tu fais là comme Zazo. Tu connais Zazo? Non. Dans le Roi Lion. Majordome du roi. La comme Zazo, c'est quoi la comme Zazo? Zazo, c'est le majordome du roi. Il donne seulement des leçons pendant que les gens travaillent. Gabi, viens chercher par ici. La plongée, c'est dans le... Mais... Tu vois, c'était en plein... Dans le... PAC! Il n'est pas encore rempli. Voilà, monsieur, qu'on a tué ici, là. C'est une chasse spectaculaire. Une poulaine de... C'est quoi? C'est ça. Non, non, ça c'est pas le pigeon. Ça c'est le pigeon. C'est-à-dire que l'un des aides de chasseurs... Tu as eu les deux? Non, monsieur. Tu as eu un? Même pas un. Un feu noir là-bas. Hein? Feu noir là-bas. C'est pas facile de poil. Voici les poils arrachés, regarde. Ça veut dire que l'un des membres de la chasse est porté dans les bras. Ça, c'est une chasse spectaculaire, ça. Et si je vais poursuivre le gibier, c'est comment? C'est quoi le gibier? C'est sérieux, je veux dire. Si je vais pour chasser la vie, c'est comment? Papa, comment tu regardes ce gibier? Quel oiseau? Le pigeon. Quel oiseau? Ça va être le pigeon que vous avez trouvé. Il a dit où? C'est des familles comme ça, c'est un petit peu. Non, c'est pas le pigeon. En fait. Le pigeon n'a pas bougé. Il a vu un autre oiseau là-bas. Hein? Oui. Il est gros. Oui, il est descendu comme ça. Ah, les gens qui sont là, ils vont faire. Allez. Mais là, tu as bon, c'est ça le pigeon. Il a su le mangué, le prenez. Moi, je dis qu'il ne faut pas suivre les gens. Il est fatigué. Le pigeon là, il ne faut pas. Ça, tout ça. Il ne faut pas. Tel que je vais trouver la machine. Il ne faut pas. D'être à l'heure ici. Quand tu vois quelqu'un, qu'il y a deux oiseaux qui tombent ici. Dans... Va guetter alors. Nega, voici toi devant lui. Voici le premier. Non.
trouver. Oui. Les enfants, que Dieu vous aide. Et là, il ne faut pas les suivre. Il était où? Les enfants qui ne maîtrisent pas la chasse, ils m'arrêtent. C'est toi et moi qui travaille. C'était où? Il était là. Oui, ça c'est le premier. J'ai ma, tu vas descendre. Oui. Tu es sérieux là? Pourquoi tu l'as pris? Oui, mais pour qui est son ami? Un peu. T'as l'autre qui est tombé poip. C'est celui-là qui peut se faire. C'est celui de la maison que tu as. J'ai essayé de manger là. Papa? Papa? Oui. On a une fille escargot et un garçon escargot. Oui. Il était sur le manger ici. Allez, les gars. Oui. Il est tombé dans l'escargot. Mais non, ça a fait trois. Papa? Comme il a... Papa? Il ressemble aux herbes. Papa? Oui, c'est vrai. Je veux qu'on adopte. Le pigeon là est là, le pigeon là, parce qu'on a tiré là-bas, il est venu comme ça, il est dans le vent. Si on le voit pas là-bas, il doit être l'autre côté du mur. Le pigeon, il ne peut même pas échapper. Le spectacle, c'est ça qu'on fait là. Est-ce que ça a besoin de définitif? Et quand on te voit, c'est-à-dire que les gens voient que tu es en chasse, mais toi tu veux prendre la réflexion. Pigeon est joli. Quand il est joli comme ça, l'arbre, il commence à être là. Il est dessus, mais là, il est sur l'arbre aussi. L'arbre aussi, non? Pourtant, Job était ici vraiment. Alors, Job n'a pas pu d'abord voir le premier. C'est quand vous avez tué M. Job. Ah, pardon. Job, pardon, s'il te plaît. Bon, on met 200 000 dollars en jeu pour que quand on retrouvera le pigeon. Je rêve que la police est venue ici se placer. On l'a appelé à l'existence, mon frère. Ça, c'est... Tu as perdu le pigeon? Tu sais qu'on peut se regarder là, de l'autre côté de la barrière. Oui. Tu peux aussi tomber de l'autre côté de la barrière. Possible. Oui. Ou à côté là. Ah non, désolé. C'est qu'on a tiré le pigeon là. Il est tombé sur le pigeon, on ne le voit pas. On a tiré comme les enfants, mais c'est ça. Oui, oui. Il voit les pigeons virtuels. Il est passé ça du matin, le pigeon il est tombé dans ce côté. Comment vous allez? Non, assez bien. Ok. Non, non. Trouvez, si les gens m'ont retrouvé, c'est difficile. Ah oui, surtout le soir aussi. Oui, c'est un peu ça. Souvent, même il y a des pièces ici. Oui, on en a pris une là, c'est là-bas. Ah bon? Mm-hmm. Ah! Là, on a tout à l'heure. Ah! Il y a une perdue là. Il y a encore une deuxième. Ah, ça alors? Oui. Oui, c'est une perdue. Oui. Mais ça, c'est génial. Ouais. Ils sont souvent là, tous là, ils marchent là, ils marchent partout. Mais moi, je n'ai pas une bonne vue pour ici. Ah, okay. Je n'ai pas une bonne vue. J'ai un œil attaqué par la nuit. Ah, ok. Donc, ça fait que. C'est pas facile de voir, de pouvoir recourir. Oui, oui, oui.
C'est l'autre jour à la maison que j'ai entendu le cœur matin. Mais ça, c'est Pedri. Ils sont généralement ici. Oui. Ils sont en train d'entendre en France, ils disent, ils ont un peu. Ouais, ouais, ouais. Tout est collé. Tout est collé là-bas. Le matin, ils vont me dire, tu vois la maison. Oui. Ah bon? Oui, ils sortent d'ici. Ils sont là, ils picolent un peu. Puisque j'ai mis même le maïs là-bas. Oui. Avec les amis. C'est-à-dire que moi je porte un châtier. C'est ça qui est génial, c'est ça même un peu la vie. Un fils, mets dans le sac. Papa. On fait un petit peu. Papa. Oui. Voilà, c'est celui-là, après c'est quel pigeon que c'est là. David, tu vas te barrer. Où est le fusil? À quoi le fusil? À quoi le fusil? Fais vite. Je fais coucou là. Je vous sens bien. Elle est là. Vous ne pouvez pas avec les yeux. Allez, je vais là-bas. Viens là. Il y a rien.
Bonsoir. Hein? On cherche les pigeons, hein. Voilà. Ouais, Jimmy, moi, on cherche les pigeons. Mais les escargots, tu peux les ramasser, non? Non. Les gars. Oui. Regarde s'il n'est pas tombé ici. Oui. Il a pris sa tête dans ma famille. Parce que c'est ici qu'il était, non? C'est aussi, oui. C'est juste là. Ça veut dire qu'on a tué quelques escargots que j'ai là-bas. Vas-y. Oui. Là, l'autre devant vous. Le bras. Qui s'est posé où? Qui le voit? Oh. Non. Non. Oh. Ne parle pas beaucoup. Oh. Il est posé à côté ou de loin. Oui. Scarf. En bas là. Oui, oui. C'est une arcadie. C'est la pédée. C'est l'arbre là. C'est la pédée. Là, il est d'ailleurs. En gros. Les gars, les gars. Les gars, c'est pas une bonne question. En gros. Ça va, c'est là où on était. Superflié. Une personne fait le pigeon là, j'ai. La vie reste tout pour le pigeon. N'approche pas du pigeon. Il y a des torches à la maison. Jean, prends pas la torche à la maison. Prends pas une torche, une torche qui sent là. Où est la maison? Pas ça. Prends les torches à la maison, prends de même torche. Les torches qui sent là. On va pas mettre juste le téléphone, c'est sûr. Et moi, je visais ça. Voilà, tiens. Je t'assure. C'est que papa, tu ne t'as pas approché ici. Donc, quand t'as répondu à la tête, ça veut dire qu'il est parti, tu vois. Mais la maman, tu veux que ça t'a pris même le pied ou quelque chose. Regarde, ça va vu le pigeon. Si on va faire avant de tirer, toi tu vas monter là-bas. Pour voir si elle part comme ça, où elle va se poser, tu vois.
Les gars, là, on peut attendre tout le temps. Si tu as un peu de manger là, tu peux le voir souvent. Tu sais, je suis sur le manger là. J'ai mon manger. Tu dois planter dans le verre, ok? Mais c'est la nuit, il faut avoir le chef. Donne la torche. Viens vite. Tu as vu? Hein, mes gars? Et si l'enfant s'est trompé? Oui? Attends, mais si tu as bien regardé. Je pensais que tu me donnais la torche. Non, c'est sur le temps pas puissant. Papa? Oui? Papa? J'arrive, tu peux voir, Ali. Tu peux voir qui? Ali. C'est une torche puissante. Et je dis, il n'y a pas une deuxième torche comme ça. Hein? Allez, papa. Il y avait une deuxième petite torche puissante là. Tu veux pas, hier? Mais viens avec moi.
Nega, toi je me suis lavé à côté de manger là. Bon attends, il faut qu'on se place bien. Hein, Joe, mets ton haut là-bas. Mets ton haut là-bas, allez. Moi je vais descendre. Là on va capter, s'il vous plaît. Mega, vas-y un peu. Tu as lancé quelque chose, mais ça dit n'est pas là. Lance encore un peu. Il n'est pas là, mes gars. Ouais, les enfants, si nos enfants souffrent ce soir, c'est énorme. Mes gars. Tu vois comment les enfants le font souffrir ce soir. Il faut que ça soit vraiment. Je vais appeler pour que je ne pas là, dans un endroit bien, ici. Elle fait un plan, ici, pas mal de bien. Oui, c'est ça.
c'est une pierre là. La pierre, tu peux avoir le galon, mon frère. C'est pas exagéré. Oui, j'arrive. C'est que...